Togo Info, le Togo à votre portée. Les évêques connaissaient déjà la fausseté des fidèles ou des chrétiens et des Togolais, des citoyens togolais. Ils ne sont pas sincères. C'est pourquoi ils n'ont pas voulu s'engager comme moi. Mais devant mon engagement à la suite du Christ qui a pris la défense des pauvres, des malheureux, la défense de ceux qui sont opprimés par les autorités, c'est cet exemple que j'ai suivi et qu'ils ont compris. Et alors, ils sont venus me prier d'appuyer aussi de ma signature le message qu'ils ont sorti. Et à la fin, après la prière finale qui a clôturé cette réunion, ils ont demandé que moi je leur donne ma bénédiction. C'est un signal fort pour que les citoyens togolais comprennent tout le prix et le poids que mes collègues évêques apportent à ma détermination de secourir les pauvres, les malheureux, comme le Christ l'aurait fait s'il avait été au Togo. Eh bien, moi je constate, moi qui me suis engagé comme le Christ l'a fait, que beaucoup d'entre vous font très souvent un double jeu. J'ai l'impression, et je voudrais que cette impression soit démolie, que devant moi, on accepte tout ce que j'engage dans cette lutte. Mais on conserve d'autres orientations peut-être. Je voudrais casser cette hypocrisie.